כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, וכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, הופכת רבינו הקדוש צדיק יסוד עולם. ואחר נובע מכל חוכמה רבנו רבי נחמן מפגיה ושמחה, נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. ערב טוב, ערב מצוין. כמו שקלי שמילה, שיש הכפות הצליחי, ככי לראה מצוין, עושה גילה. ברוך השם, ברוך השם. שתבח שמו לעד, כמי יפו את חורו דפובר את יוי התורה, און ארץ ישראל. Vous savez autant que moi que c'est aussi facile que ça. Et c'est un grand srout, Baruch HaShem. Rien que de respirer l'air de la Israël, c'est un srout. Alors, que ces paroles de Torah, donc on continue comme d'habitude le dimanche soir, Baruch HaShem, notre l'écouté Moharan. On était dans le 18, on est à la fin du 18. Pour ceux qui suivent dans le livre, c'est à la section Zayin. Et on va, que ces paroles de Torah aident et à la fois chez les mains complètes et immédiates de Sharina Badzina, Sarah Taleb Adefrat Myriam, David Ben Mani, Hana Bat Esther, Shani. Shaili Bat Rava. Shaili Bat Rava. Rivka Marguerite Myriam Bat Rava. C'est bon. On va t'écouter. C'est dit. Et. Ça va, t'écoutes? C'est bon. Alors ça marche, le son il est bon. Et bien sûr pour la tzlacha de tous ceux qui sont là, qui étudient avec nous et tous ceux qui écoutent le shiur sur internet, le Drat Hashem, beaucoup d'atzlacha dans tout, toutes les yeshuot, dans tous les domaines, l'éducation des enfants, le shalom bayit, le mariage, amen. Chacun avec Baruch Hashem, on sait que dans notre génération c'est pas ça qui manque, le besoin de yeshuot, ouais. Baruch Hashem. Je l'ai dit, Chana Bat Esther. Qu'on ait que des bonnes nouvelles. Très bien, donc on revient, hein. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. On va revenir rapidement sur ce qu'on a dit dans ce l'écouté Moharan, où Rabbeinu, finalement, chacun d'entre nous, on vient dans ce monde, on ne sait pas pourquoi on est venu. Ni toi, ni moi, c'est-à-dire on a le Gdarim, on sait qu'on est juif, on sait qu'on attend d'un juif des certaines choses qu'on appelle Halakha. On sait que chacun d'entre nous, on a des choses à respecter, que ce soit mettre ses téfilines tous les jours, faire la tefila, des choses comme ça, ça on sait. Mais la raison pour laquelle on est venu, on ne sait pas. C'est-à-dire pourquoi on est revenu dans ce monde, qu'est-ce qu'on doit faire comme accomplissement, que ce soit personnel ou même de façon générale, même dans notre vie, nos interactions avec les gens, avec qui on a des comptes à régler. Tout ça, on nous a fait oublier, on avait fait l'écouté morale dessus, le Kouf Pechet, vous le verrez, c'est un Likutei Moharan que j'adore. C'est un Likutei Moharan qui explique que Bémet, on nous fait oublier avant la naissance, que personne n'est venu, on ne sait pas ce qu'on est venu faire, et même au fur et à mesure de la vie, jamais il nous met des clins d'œil, mais jamais sans savoir vraiment si c'est vrai ou pas. On a des sentiments comme ça, des perceptions, des intuitions, surtout si on est une femme, c'est des intuitions qui sont plus fortes que chez les hommes, on sait de façon générale, l'intuition féminine est plus forte. Mais des intuitions qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait les bonnes choses, qu'on est en train de régler au fur et à mesure ce qu'on a besoin de régler. Mais clairement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu faire. Donc Rabbeinu, il avait envie de nous dire quelque chose d'incroyable. Que le but de notre venue vient de la pensée première. On avait expliqué que le tachlit, ce qu'on appelle la finalité ou le but en hébreu, vient de la pensée première. La pensée première de qui ? La pensée première d'Hachem, le créateur, celui qui nous a créés. Il nous a amenés dans ce monde pour une certaine raison. Cette raison, elle est globale, puisqu'on fait tous partie des âmes d'Adam Harishon, comme on le sait. Mais cette raison, elle est aussi individuelle. Chacun d'entre nous, on a une raison particulière, qu'on a été créé. Et cette raison, si elle est respectée, et si elle est accomplie, elle amène énormément de nachat à Kadosh Baruch Hu. Donc on avait expliqué tout le Hainyan du Tachlit, qu'un homme il doit rechercher son but dans la vie, qu'il doit pas perdre son temps, qu'il doit essayer de comprendre que ce monde, c'est un monde, comme le dit le Zohar, dans l'âme des Shikra, qu'on appelle le Olam des Shikra, c'est, on a l'impression que oui, c'est un monde de Sheker, ça veut dire tout le monde ment. C'est pas ça que ça veut dire. Le Zohar, quand il dit que ce monde-ci, c'est le Olam des Shikra, c'est comme l'explique le Nefesh HaChaim, c'est que ce monde, il n'existe pas. C'est-à-dire ça, c'est pas vrai. Alors comment tu dis c'est pas vrai? Mais ma table, elle tient, et moi mes coudes, ils tiennent sur ma table. C'est comment tu me dis qu'une chose n'est pas vraie? Alors pendant mon absence, j'ai étudié un peu le Tania. Et Tania, il a une image magnifique que j'ai adorée. Il explique, est-ce que les rayons du soleil existent? A priori,
Tu sais, de les attraper, ça n'a pas l'air d'exister. Ouais. Mais pourtant, quand tu vas à la plage ou même simplement quand tu es dehors, tu sens, tu prends un café dehors, tu sens les rayons du soleil sur ta peau, tu sens que l'effet existe. Donc l'effet, il existe, mais les rayons n'existent que parce qu'il y a un soleil derrière. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui existe, c'est le soleil et la radiation du soleil. Bon, c'est vrai que c'est chimique ou c'est physique, c'est une conséquence. Mais si tu enlèves le soleil, il n'y a plus de rayons. Donc les rayons ne sont en vérité qu'un prolongement du soleil. Donc ce monde-ci, en vérité, nous explique le Tanya, quelque chose d'incroyable, n'est que le prolongement de la radiation du Olam Haba. C'est-à-dire que nous, on a un tahlit. Ce tahlit, ce n'est pas ce monde-ci. Ce tahlit, c'est notre place au Olam Haba. C'est ça notre tahlit. Mais la radiation, la raison pour laquelle on est venu, c'est trouver ou retrouver notre place. Parce que chacun d'entre nous, peut-être qu'on ne l'avait pas du tout. Ou peut-être qu'on avait un Olam Haba qui ne correspondait pas forcément totalement. Donc Hachem, par grande bonté, il a dit, oh, je veux te faire redescendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta place. Ou ce n'est pas encore ta place. Ou ce n'est pas assez ta place. Rabbeinu dit dans un autre, écoutez Moharan, que le Olam Haba, il ressemble à un jardin. À un grand jardin avec plein d'âmes. Et que ces âmes-là, chacun il a sa place. Il y a des feuilles, il y a des arbres en fonction de l'agdoucha de chacun. Mais derrière Chagav, il y a des âmes. Il dit qu'ils sont à la porte du Gan Eden. Ils ne peuvent pas rentrer à leur place. C'est leur place, mais ils ne peuvent pas y rentrer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces âmes-là? Alors, il y a un tzaddik, là-bas il explique tout le Hinyan, mais il y a un tzaddik qui va s'occuper d'eux. Et une des façons de s'occuper, c'est qu'ils reviennent ici, dans ce monde. En réalité, c'est une grande montée d'Hachem d'être ici, de revenir ici. Pourquoi? Parce que tout le Olam Haba, c'est de profiter de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, on l'a dit souvent. Maintenant, on en profite qu'en fonction de notre capacité. La même chose que si maintenant on ouvre un livre, si on ne sait pas lire le français, on ne va pas comprendre. Tu peux avoir le livre dans les mains, tu peux l'avoir acheté, tu peux l'avoir dans les mains, mais tu regardes et ça, c'est des lettres qui ne te viennent rien dire pour toi. Ben, la même chose dans l'Olam Haba. Si tu peux arriver à un endroit, et tu as Hachem devant toi, mais tu ne ressens rien. Tu ne ressens pas ce que tu devrais ressentir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les kélim. Pire que ça, le Zohar, il explique que tu ne rentres même pas là-bas. Parce que si tu rentres, tu vas brûler parce que tu n'as pas les kélim pour être protégé de cette lumière-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a une grande bonté. Il voit son fils qui est là, qui n'est pas à sa place, ou qui ne peut pas rentrer, ou qui est rentré, mais il ne peut pas aller où il veut. Il dit, ok, mon fils, tu sais quoi? Je vais te faire un cadeau, on va te faire redescendre. Ah, pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, tu auras un libre arbitre. Et si tu fais les bons choix, tu vas me connaître en revenant beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il lui dit ça. Il dit, Alain, voilà, maintenant tu me connais de telle façon. Mais tu ne me connais pas suffisamment, en tout cas pas au niveau que tu peux me connaître. Donc je vais te faire redescendre. Tu vas faire des choix dans la vie. Tu vas faire les bons choix, Bezrat Hashem. Et tu vas choisir la tchouva, tu vas choisir de ne pas regarder, tu vas choisir les tfilines, tu vas choisir la tfila, tu vas choisir la Torah, tu vas choisir ça. Et petit à petit, au fur et à mesure de tes choix, tu vas changer, tu vas évoluer. Et tu vas me connaître de plus en plus. Comment? Parce que plus tu vas agir comme moi je réagis, plus tu vas me ressembler, plus tu vas me connaître. La Torah, c'est une connaissance sirlite, une connaissance intellectuelle. Mais la vraie connaissance d'Hachem, on sait très bien que la Torah, ce n'est pas suffisant. La vraie connaissance d'Hachem, c'est quand on est capable de se comporter comme si Hachem, il est là tout le temps avec nous. Ça veut dire qu'il y a une conscience, on a dit déjà ça. D'ailleurs, dans ce l'écouter Moharan, il y a une conscience extrêmement grande d'Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué que le Rabbeinu, il explique qu'en fonction de, il y a le temps, on avait dit le Zman, comme Shabbat, comme les fêtes, etc. Il y a l'homme, c'est-à-dire si tu es en présence d'un tzaddik, tu as une conscience plus grande d'Hachem. Et il y a le Zman, il y a le Makom. Israël, c'est un endroit de Makom d'Hachem, où tu es capable de connaître plus Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça pour dire, en introduction, mais on va revenir dans les mots, que finalement nous on a un tahlit, ce tahlit c'est notre Olam Haba, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, à part bien sûr la halakha, mais pas extrême, de façon précise, on ne sait pas ce qu'on a à faire, mais on sait qu'il y a un tahlit. Dire à Benoît Kadosh, si tu arrives à t'attacher au tahlit, même si tu ne sais pas quel est le chemin pour y arriver, puisque tu sais où aller, alors tu vas arriver à te frayer un chemin, peut-être plus long que ce que ça devrait être, peut-être tu auras fait les mauvais choix entre temps, mais tu sais où aller, tu sais qu'il faut aller arriver à cette forêt-là, et donc tu as une chose. Comment tu fais pour savoir où aller? C'est à ça que sert en grande partie le tzaddik. Le tzaddik, l'étude de la Torah, tous les livres qui existent sur la pensée juive ou sur la Torah elle-même, elles viennent pour te rappeler le tahlit et pour te rappeler le but que tu as dans ce monde. Jusque-là, c'est clair? Ouais? Pas de questions? Shiloh, tu as une question?
Non, ça va. Tu dis que la Torah, elle est circulaire. Alors voilà, très bien. Très bonne question. Ça me dérange. Ça te dérange ? Elle n'est pas si circulaire que ça. Mais... Ça veut dire que tu as du sentiment pour avec la Torah, toi ? Je demande, hein, c'est très bien, c'est une bonne question. Il a dit que j'ai dit que la Torah, elle était intellectuelle. Normalement, ce que j'imagine que tu es en train de dire, c'est que la Torah, normalement, ça ne doit pas être intellectuelle, ça doit être un mode de vie. Donc ça veut dire que tu dois le sentir, ouais ? Tu as raison. Quand j'ai dit que la Torah était intellectuelle, ça veut dire l'étude de la Torah, c'est intellectuel. L'étude des halakhot, l'étude de ce qu'on fait ce soir, c'est intellectuel. Tu as raison que le but de la Torah, c'est qu'elle ne reste pas dans les livres, c'est qu'elle devienne une partie de toi. Une fois qu'elle devienne une partie de toi, pour qu'elle devienne une partie de toi, il faut qu'elle fasse passer. Il faut qu'elle devienne aussi une émotion. Il y a un conte de Rabbeinu HaKadosh que peut-être vous avez lu, ou si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. C'est le conte du roi et de l'empereur. Là-bas, très rapidement, je vous fais une agdama. C'est l'histoire d'un roi et un empereur qui n'avaient pas de fils ni de filles, ils n'avaient pas d'enfants. Donc le roi, il quitte son royaume et l'empereur, il quitte son empire. Et il se retrouve dans une auberge avec des habits pashut. Et les deux, ils se voient, ils voient qu'ils ont tous les deux des manières de roi. Donc l'un, il regarde l'autre, il regarde là. Ils s'approchent naturellement, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ils s'attirent naturellement. Il dit, ils commencent à parler ensemble. Qu'est-ce que tu viens faire? Moi, j'ai pas d'enfant. Ah, moi aussi, j'ai pas d'enfant. Ah, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens chercher des remèdes. Peut-être que dans le monde, il y avait un remède que je connais pas et qu'il va m'aider à avoir des enfants. Ah, moi aussi, j'ai un remède. Moi aussi, je cherche un remède. Et à la fin de la soirée, au bout d'un bon verre de vin, moi, c'est pas écrit dans le conte qu'ils ont bu un verre de vin, mais au bout d'une bonne soirée, chacun il se promet à l'autre, écoute, si on arrive à avoir des enfants chacun d'entre nous, et que c'est une fille et un garçon, on les mariera. Ils rentrent chacun chez eux, un il a une fille, un il a un garçon. Après ça, le conte est très très long, mais je vous donne juste pour répondre à la question de Shiloh. Un des élèves de Rabbi Nathan, il explique qui c'est le roi et qui c'est l'empereur. Le roi, c'est la tête. L'empereur, c'est le cœur. L'empereur, par définition, il est plus grand que le roi. Puisque un empereur, il a plusieurs royaumes. Un roi, il a un seul roi. C'est un seul royaume. Donc l'empereur qui est le cœur, ça veut dire qu'il est plus grand, il est plus important que la tête. Le cœur, c'est toujours plus important que la tête. Pourquoi ? Parce que tes actions vont aller en fonction de ton cœur, pas en fonction de ta tête. Même si tu veux être le plus sirli possible, comme tu as dit, tu vas comprendre que c'est pas bien, mais tu vas quand même le faire. Parce que ton cœur, il ne suffit pas. T'as ton envie, elle est de faire la mauvaise chose, de faire le mauvais choix. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, ce que dit Rabbi Nathan dans l'écouter à la Chot, c'est transmettre l'intelligence du cerveau, ce que tu as appris, si tu as la chance d'étudier, ce que tu as appris au cœur. Pour que ça devienne une envie, que ça devienne quelque chose que tu as envie de faire, que tu apprécies faire. C'est pour ça que Rabbeinu et la Torah elle-même, elle dit que la Torah ne vaut quelque chose aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que si elle est faite avec Simcha. Ça veut dire que tu as une envie, tu as de la hitla à vous. Si tu ne le fais pas juste parce que tu as compris. Faire les choses parce que tu les as compris, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Acher, il faisait les choses parce qu'il avait compris. Le maître de Rabbi Meir Balanes, ce que je rappelle souvent, il faisait les choses parce qu'il avait compris. Et il a fini par être un épicoros. Parce que finalement, ça ne rentrait pas dans les cadres. Et à un moment, ça ne marchait plus. Dans sa compréhension, elle était limitée par rapport à ce qu'il voyait. Et il est sorti du derrière. Il est sorti du chemin de la Torah. Donc il faut tout comprendre. Il faut essayer de tout comprendre. Mais toujours faire les choses comme si tu les avais pas compris. C'est-à-dire par Emouna. Et la réalité, c'est que Rabbi Nathan, il dit, parce qu'il ne te l'a jamais comme ça, juste avec une définition. Rabbi Nathan, il dit que la façon de passer de la tête au cœur, c'est-à-dire c'est à travers le dibour. Entre la tête et le cœur, il y a la gorge. Si tu fais le chemin, il y a la gorge. C'est quoi la gorge? C'est les cordes vocales, c'est le dibour, c'est la parole. La seule façon de transmettre ce que tu as compris à ton cœur, c'est de parler. C'est la tefila, l'aïkbo des doutes, c'est la seule façon. C'est la seule façon. Je le dis à chaque fois, Rabbeinu, il a dit qu'il n'y a pas plus grand que de transformer sa Torah en tefila. Chaque fois que je vous dis, quand vous venez faire une étude ici, elle ne peut se concrétiser réellement que si vous priez dessus. À tel point que Rabbi Nathan disait, il écrira à son fils une fois dans une lettre, il lui disait, est-ce que tu as prié pour la mitzvah? Parce que si tu n'as pas prié, je ne t'envie pas. Je ne sais pas d'où elle vient la mitzvah. Peut-être c'est le Sera qui veut te faire la mitzvah pour ne pas faire une autre mitzvah plus grande. Mais si tu as prié, c'est la réponse à ta tefila. Si c'est la réponse à ta tefila, alors je t'envie. Parce que quelque chose qui vient de la tefila, c'est éternel. C'est un pouvoir extraordinaire. Extraordinaire. Par exemple, c'est rapporté que Rabbi Nathan, à tel point Hachem il veut ça, que c'est pour ça qu'il crée des méniotes.
C'est pour ça qu'il crée des empêchements. Pourquoi un homme il n'arrive pas à se marier? Il essaie, ça ne marche pas. Parce que Hachem il veut que la tfila elle rend. Et il y a un certain quota de tfila, comme Moshe Rabbeinu quand il est venu en Israël. Il y a un certain quota de tfila qui va faire que cette chose-là elle prend de la valeur. C'est écrit à propos de Trana par exemple. Qu'elle a eu Shmuel, ouais, Shmuel Hanavi qui était Keneged, pas Neged, mais Keneged. Il était aussi grand que Aaron et Moshe. Ouais, c'est connu ça. Quand elle l'a amené à 3 ans, elle l'a sevré, à 3 ans, elle l'a amené chez Eli pour qu'il devienne son maître. Au bout de quelques années, il était tellement intelligent qu'un jour, il répond à la place de son maître, une halakha, que le maître, il avait dit le contraire. C'est quoi la loi dans ce cas-là? Il faut tuer l'enfant. Il faut. Celui qui s'est rebellé contre son maître, il est Khayav Mita. Donc Eli, il appelle la mère pour la prévenir qu'il va tuer l'enfant, qu'il va tuer le fils. Donc là, elle lui dit, mais ça va pas, j'ai prié tellement d'années, et c'est toi qui m'as béni pour que j'ai cet enfant-là, je t'ai promis qu'il allait venir, je t'en supplie, pardon. Il lui dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, je te bénis pour un autre enfant. Il lui dit, mais ça va pas, je veux pas d'un autre enfant, c'est pour lui que j'ai prié. C'est pour lui que j'ai attendu 20 ans. Les 20 ans de prière, c'est pas pour un autre enfant, c'est pour lui. Ça veut dire que cet enfant-là, il a quelque chose de particulier, que même si tu me donnes un autre enfant, ce sera jamais comme lui. Parce que là, il y a des tfilotes qui vont avec. Et c'est pour ça que souvent, on réalise pas. En réalité, je vais faire une petite digression, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé dernièrement. C'est que la plupart des gens, ils se trompent de combat. Je vous dis, on se trompe de combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer d'être très clair. Aujourd'hui, et depuis tous les temps, mais aujourd'hui en particulier, on a un affrontement entre la spiritualité et la matérialité. Ouais, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a d'un côté la matérialité qui te happe, qui te mange, et la spiritualité que tu essaies de sortir la tête de l'eau. Et on a l'impression, et c'est ce qu'on fait, et le problème, il n'est même pas avec nous, il est plus avec nos enfants. Il va être encore pire avec nos enfants, en tout cas. C'est que si on garde cette dichotomie entre la matérialité et la spiritualité, c'est clair que nos enfants tombent. Parce que c'est impossible de tenir. Si c'est ça le combat, c'est impossible de tenir. À l'époque, ils jeûnaient. Après ça, ils ont jeûné plus. Ok, on se réveillait la nuit. Aujourd'hui, ils se réveillent même pas le matin. Ils se réveillent la nuit. Donc, si tu dis maintenant, il faut choisir entre la spiritualité et la matérialité, il va se battre. Au bout d'un moment, c'est fini. Il peut plus. Même nous, on peut plus. Donc en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est pas ça le combat. Hachem, il a jamais dit de choisir entre les deux. Jamais. C'est pas écrit qu'il faut il faut se mortifier. Bon, il y a des jeûnes dans certains jours de l'année qui sont nécessaires, Yom Kippour, etc. Mais c'est pas, on n'a pas de Ramadan, on n'a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de mortification, au contraire, on élève la matière. Le vrai combat, et c'est celui qu'il faut transmettre à nos enfants si on veut qu'ils tiennent le coup dans la vie, c'est le combat entre la Gdoucha et la Touma, qui n'a rien à voir avec la matérialité et la spiritualité. La Gdoucha et la Touma, entre la sainteté et la Touma, comme on peut traduire, et l'impureté. Entre la sainteté et l'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est spirituel peut aussi être impur. Ouais? Yeshua, là, quand il a fait l'acrobate, quand il a fait des trucs spirituels, il a marché sur l'eau, tout ça, c'était des Shem d'Hachem, c'était des noms divins, mais c'était de l'impureté. Aujourd'hui, tu vas faire, les tantras, ou je sais pas ce qu'ils font là-bas en Inde. C'est de la spiritualité, mais c'est de l'impureté. Et d'un autre côté, le matériel peut être kadosh. Le Shabbat, manger avec ses enfants, ou aller prendre la voiture, avoir une voiture pour aller faire la tournée de Sadikim, ou avoir de l'argent pour donner la tzedaka. Ça s'appelle la matérialité au service de la spiritualité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au service de la Gdoucha, excuse-moi, pas de la spiritualité, au service de la Gdoucha. Ça veut dire que le vrai combat, si on veut qu'ils tiennent un jour le coup, c'est pas de les priver de la matérialité, leur dire t'as pas le droit de toucher un téléphone, t'as pas le droit de ça, c'est fini, aujourd'hui je peux plus faire ça. C'est impossible aujourd'hui de dire à un enfant, même dans les écoles religieuses, Kharedi, je vous le dis, moi je le dis dans une école religieuse, c'est impossible de leur vouloir leur mettre des œillères et leur dire, écoute, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas faire ça. C'est impossible, tu peux pas faire, c'est clair qu'ils vont tomber. À part peut-être s'ils habitent Nebrak et encore. Combien on en voit qui tombent? Et encore. Aujourd'hui, c'est pas possible, tu ne peux pas mettre des œillères sur des enfants. Alors qu'est-ce que tu vas leur dire? Alors, encore une fois, si tu leur dis la matérialité c'est mal, c'est pas bon, c'est une catastrophe, à un moment ils résisteront plus et ils vont croire que puisqu'ils ont choisi la matérialité, alors ils peuvent plus faire être spirituels. Ou bien, même nous, c'est vrai pour nous aussi, mais pour nos enfants, je le vois, ce sera de pire en pire. Par contre, tu fais non, je t'interdis rien. Je t'interdis rien du tout.
La seule chose que je veux t'apprendre, c'est utiliser des choses dans la doucha. Et rien n'est interdit. Il n'y a rien qui est banni, il n'y a rien qui a ce sentiment-là de frustration. Parce que si tu mets chez un enfant un sentiment de frustration, ça va te revenir comme dans un boomerang. Comme dans un boomerang, c'est évident. À 5 ans, ils te répondent. Alors à 18, qu'est-ce qui va rester ? La seule façon de pouvoir tenir le coup, et c'est ce que Rabbi Nathan il explique dans un écouté à la route magnifique que j'ai étudié la semaine dernière, c'est que le vrai combat, c'est un combat entre la Kdoucha et la Touma. C'est un combat entre la sainteté et l'impureté. On va voir dans la paracha de la semaine prochaine ou la semaine d'après que quand Abraham Avinu va faire jurer Eliezer, qui va aller chercher la femme de Yitzhak, il va l'envoyer pour comme envoyer pour aller la chercher, il va le faire jurer sur quoi ? Sur sa Brit Mila. Attends, mais c'est une Brit Mila, tu comprends, c'est pas possible, que ça veut dire une chose pareille ? Ouais ? Eh ben non, excusez-moi, la Brit Mila, c'est Kadosh. C'est Kadosh. Ah, mais attends, tu vas avec ta femme avec. Mais c'est Kadosh, c'est une Kdoucha. Ça s'appelle de la Kdoucha. On t'a pas dit de pas te marier, on n'est pas des prêtres. Il faut se marier, c'est une mitzvah de se marier. Et c'est la Torah, elle te dit sans être marié, tu peux pas atteindre les niveaux de Torah. Oublie, tu vas pas devenir un homme si tu n'es pas marié. Ah, mais comment je fais ? Eh ben tu fais dans la Kdoucha. C'est très difficile, ah, d'accord, c'est beaucoup plus difficile que si tu te prives complètement. Mais le problème avec la privation aujourd'hui, c'est que ça tient pas. Tu vas tomber dans des travers, comme les prêtres, exactement la même chose qu'on a vu, dans des travers qui sont des milliards de fois plus que si tu t'es permis les choses qui sont permises. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. On le voit dans tout. Et alors, on le voit aussi dans la Brit Mila, on le voit aussi dans la Torah de façon générale. Vous avez vu, j'ai vu un midrash, enfin, on m'a rapporté un midrash Shabbat et je l'ai vérifié. Et c'est vrai, je n'avais jamais entendu ce midrash-là. Lorsque Sarah elle a eu Yitzhak, c'est écrit que elle avait peur que tout le monde se moque d'elle et qu'on croit que l'enfant il avait été déposé chez elle. Que c'est pas possible qu'elle ait eu un enfant. Donc Hachem, il a fait un miracle, elle allait. Alors il y a deux versions. Même si elle allait, elle était tellement tignoute, Sarah. Comment elle va... Personne ne va le savoir qu'elle allait ou qu'elle allait pas. Donc il y a deux versions. Une version que je connaissais, qui est que les femmes qui avaient eu un enfant à la même période que Sarah, elles allaitaient pas. Elles cherchaient tous quelqu'un pour allaiter. Et elles ont trouvé que Sarah pour allaiter leur propre enfant. Et alors ça a répandu le miracle. Mais il y a un midrash incroyable. Je l'ai eu ce matin dans les mots. Donc c'est pas quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un. Que jamais j'aurais cru. Moi-même, quand il me l'a dit, j'ai dit c'est pas possible. Que Avraham Avinu, il dit à Sarah, mais c'est pas le moment d'être sniout. Montre tes seins aux femmes pour qu'elles voient que le lait il sort de tes seins. Alors, je comprends pas, mais les seins c'est grave, c'est pas sniout. C'est de quoi on parle là? De quoi on parle? On te parle de quelque chose qui est kadosh. C'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Et Avraham Avinu il demande à Sarah, montre le miracle aux autres. Attends, mais là il y a la sniout. Même entre femmes, il y a une certaine sniout, il y a une certaine pudeur. Tu peux pas faire ça. Non, mais là on parle pas on parle de Kdoucha ou de Touma. C'est complètement différent. La même chose, deux actions, les mêmes. Il y en a un, il va travailler, l'autre, il va travailler. Il y en a un, il va travailler pour voler. Et il y en a un, il va travailler pour de la tzedaka. C'est le même travail, ils font le même boulot. Le même, ils sont tous les deux, je sais pas moi, ce que tu veux. Les deux, ils font le même boulot. Ils sont tous les deux, ils vendent des jeans tous les deux, ouais. Il y en a un, il entourloupe, ils gagnent la même chose. Il y en a un, non, il va pour parce qu'il sait qu'il a un vrai, il supporte un vrai tous les mois. Et tout ce qu'il pense, c'est qu'il va donner. La première chose qu'il va faire, c'est envoyer le chèque de son maaser au avraire. C'est le même travail. Il y en a un qui est dans la Kdoucha, il y en a un qui est dans la Touma. C'est le vrai combat de notre génération. Et je vous dis, ce sera de pire en pire, en pire, en pire. Parce qu'aujourd'hui, la matérialité, elle te bouffe, elle est accessible à tous. Tu peux pas. Aujourd'hui, en tout cas, dans la majorité des maisons, c'est très très difficile. Même s'il y a des parents qui ont des téléphones cachers. Petit à petit, le téléphone devient de moins en moins cachère. C'est très compliqué. Donc la réalité, c'est qu'il faut nous-mêmes s'inculquer ce concept-là. Et l'inculquer à nos enfants que rien n'est interdit, qu'il s'agit simplement de diriger les choses dans le bon derrière. C'est bon, on commence les mots de Rabbeinu. Ve'atachlit.
Et donc on a dit le but. Nikra Techelet. C'est les mêmes lettres, avec le Yud en moins, mais c'est, en tout cas, c'est, ça, ça s'appelle le Techelet. Le Techelet, c'est quoi? C'est quoi le Techelet? Le bleu. C'est le bleu azur qu'il y a sur les tzitzit. C'est le bleu azur qu'on met. Pourquoi est-ce que le Techelet, la Gemara, dit pourquoi est-ce qu'il y avait besoin du bleu dans le tzitzit? Pourquoi? Pour rappeler le Tachlit, pour rappeler le ciel. Le ciel, il rappelle qu'il y a un Dieu. Et Dieu, il rappelle qu'il y a l'Olam Haba. Il y a le Tachlit. Donc en vérité, le Techelet, c'est fait pour le Tachlit. Qui a Techelet, mais en rav, Shachor et Imlavan. Parce que le Techelet, c'est un mélange de noir et de blanc. Alors, c'est pas exactement un mélange de noir et de blanc. J'ai vu un commentaire qui explique que c'est au milieu du spectre de couleurs. C'est un bleu gris, genre. Un vert bleu, excusez-moi. Entre le vert et le bleu. Donc, c'est au milieu du spectre de couleurs, entre le noir qui est, dont les couleurs à l'extrémité sont le noir et le blanc. Donc, Rabbeinu, il dit c'est entre le noir et le blanc. Mais on va voir pourquoi il rapporte ça. Veu gaven sheben shachor velavan. Parce qu'il y a un mélange de noir et de blanc. Urcheni traber shachor velavan. Et lorsque le blanc et le noir, ils se connectent ensemble, kemo haktav, comme dans l'écriture. Quand vous écrivez, quand dans la Torah par exemple, ou à l'époque, quand c'était avec de l'encre noire, quand vous commencez à écrire, il y a une page blanche, au moment où vous mettez le point noir, il y a un lien entre les deux maintenant. Ce lien-là, ça s'appelle aussi le tachlit. C'est l'union. Kemo haktav, sheu bechinat shachor al gabe lavan, qui est l'aspect de le noir sur le blanc. Bevadai tartiut haot davuk mekarov lehaniar sheu lavan. C'est sûr que la surface inférieure, c'est le noir. Bimkom, et donc la lettre, elle est en blanc. Bimkom adibuk vakeruv sham hem meoravim shachor im lavan difrinat techelet. Au moment où vous voyez le lien entre les deux, c'est l'aspect du Techelet. Alors, c'est pas, vous allez me dire, c'est pas vrai, ça n'a pas l'air bleu. Alors, c'est l'aspect du Techelet, c'est l'aspect du Tachlit. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'expliquer parce que c'est un peu compliqué. Ce que Rabbeinu, il essaie d'expliquer ici, c'est que où est-ce que tu trouves le Tachlit? Dans l'union. L'union entre quoi? Entre le noir et le blanc. C'est quoi le noir et c'est quoi le blanc? Il va expliquer dans les mots qui vont venir. Que le blanc, c'est le Olam Haba, et que le noir, c'est ce monde-ci. Donc, dans l'union entre le Olam Haba et ce monde-ci, il y a le Tachlit. Quelle est l'union entre le Olam Haba et ce monde-ci? C'est des questions que je vous pose. Hein. Quelle est l'union entre le Olam Haba et ce monde-ci? C'est nous. C'est nous l'union. Le monde-ci n'a été créé que pour nous. Et c'est nous qui appartenons au Olam Haba. Il n'y a pas de personne d'autre à part nous. Donc, nous, on a un Olam Haba, mais on est descendu dans ce monde-ci, et ce monde-ci n'a été créé que pour nous. Donc, l'union entre le noir et le blanc, c'est nous. Donc, nous, on est le Tachlit. Le tachlit de quoi? De la création. On est le but de la création. Mais tartiut haot husasof vea tachlit ki kishera sofer kotev ou ma'amid akane vea'et aim hadjo al aniyar bevadai hadjo rachok me'aniyar me'at ad shasofer ma'amik ha'et aim hadjo betoch romek aniyar ve'az nidbak shacharut hadjo be'aomek bekeruv gagadol. Il dit donc la surface inférieure de la lettre constitue la fin et le but. Donc, dans quel sens? C'est parce que quand l'homme, quand il écrit, quand quelqu'un il commence à écrire, ou le sofer quand il commence à écrire, il commence toujours par un point de la lettre, on va dire le bas en général, il va commencer par un point de la lettre, et ensuite il va faire petit à petit, il va faire éloigner de ce point-là l'encre ou la plume, jusqu'à finir complètement la lettre. Et ensuite de ça, on va voir que la lettre va le noir, il va s'imprégner dans le blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait expliqué que le tachlit vient de l'idée initiale. Toujours le but, c'est en fonction de l'idée initiale. Ouais. On avait dit que en fonction de l'idée initiale, c'est ça qui va finir par arriver. Ouais. C'est pour ça que on a parlé d'Acher déjà, que pourquoi Acher il a quitté la Torah. Pourquoi est-ce qu'Acher il a quitté la Torah? Parce que son père, lorsqu'il lui a fait la Brit Mila, il l'a mis dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a vu des Tamid et Chachamim en train d'étudier. Le feu, il est descendu là sur la table des Tamid et Chachamim. Il a dit, c'est quoi ce feu-là? Il dit, non, c'est rien, on est en train d'étudier la Torah. Il a compris qu'il y avait beaucoup de Kavod. Il y a des gens qui sont capables de faire descendre, juste par leur Torah, leur étude de Torah, ils sont capables de faire descendre du feu, du Shamaim, du ciel. Donc c'est pour ça que finalement, il a dédié son enfant à la Torah. Donc pas pour les bonnes raisons. Ouais, d'un autre côté, on voit qu'il y a des choses bien. Par exemple, c'est écrit que c'est par le mérite d'Abraham Avinu que la manne
et que l'eau de Myriam et les Anekavot sont venus. Alors la Gemara demande, mais non, c'est pas vrai, c'est grâce à Moshe, et Myriam elle a eu le BR, et Aaron il a eu les Anekavot. Alors la Gemara elle dit non, l'okashia, c'est pas une contradiction, c'est comme une graine que tu plantes, il faut d'abord la graine, après ça tu mets de l'eau, et tu mets du vent, et tu mets du soleil. Le soleil c'est la manne, le vent c'est la Anekavot, et l'eau c'est le BR de Myriam. Ça veut dire que d'abord, pour que puisse se concrétiser l'effet du mérite des trois, il fallait une graine qui venait d'Abraham Avinu. Donc même dans le bien, ça marche. Ça veut dire quoi? Il y a une idée première, il y a quelque chose de premier. Et ensuite de ça, vient s'ajouter à cette chose-là, tout l'environnement permettant le grandissement du but final. Encore une fois, c'est dans les deux sens. Ça dépend quelle est l'intention première. C'est pour ça que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il y a... Des fois, on se demande pourquoi on fait les choses. Ouais, pourquoi on se bat, pourquoi c'est plus facile juste de... Je sais pas moi, de sortir dehors, de rigoler, de mettre une télé chez soi. Je sais pas, pour ceux qui ont le mérite de pas que leurs enfants ne regardent pas la télé, c'est beaucoup plus compliqué à gérer des enfants sans télé, moi je vous le dis. À l'époque, on nous mettait devant la télé, moi je vois même des cousins, en vrai, tu les mets devant la télé, 2h, 3h, t'es tranquille, tous les dimanches après-midi, t'es tranquille. Enlève la télé de la maison, ils sautent partout, ils se battent, ils se truquent, tu comprends pas, comment tu fais, il faut que t'interviennes. Alors tu dis, je comprends pas, c'est mieux la télé. Ouais. Ce que tu vois, c'est que c'est mieux la télé. Mais ce que toi tu vois pas, c'est que là, la télé, c'est que la graine. Mais tu vois pas ce qui va découler de cette histoire-là. Toi, tu vois juste le problème initial, tu vois ce qu'il y a devant toi. Mais tu vois pas tous les problèmes qui viennent, les problèmes d'Ashkafa, de comment réfléchir, de comment penser, de l'influence négative des goïms dans leur tête. Tout ça, tu le vois pas. Tu vois pas que ton arrière-petit-enfant, il va souffrir de cette télé-là qu'il a vue avec que ton fils, il voit maintenant. Tu le vois pas, ça, toi. Est-ce que tu peux pas l'utiliser dans la Kedusha, justement? Bien sûr, tu peux l'utiliser. On parle pas dans la Kedusha, on parle d'une télé, là. Je te parle pas de la télé, des chaînes de télé. Je te parle pas de quelqu'un que tu mets un film d'Avraham Avinu ou un chirachir de toi. Je te parle pas de ça. Ça peut être considéré dans la Kedusha. Sinon, on ferait même pas des shiurim. Enfin, on ferait entre nous, quoi. On mettrait pas sur Internet. C'est vadaï qu'on pense que ça peut aider et que c'est aussi un vecteur de Géoula. Oui. Regarde si tu as un Kleenex. C'est vadaï qu'il y a un vecteur de... Ah, c'est toi, c'est pas grave, il est parti. Merci. C'est bon. Anissi, viens. Merci. Il est de Rostarès ou il est d'ici, celui-là? Il a voyagé. Krasak. Merci. Alors, je disais que c'est vadaï qu'on parle pas maintenant de ça. Mais on voit pas... Merci. On voit pas les effets de nos actes. Alors tout ce qu'on sait, c'est qu'on travaille avec Emouna, on sait qu'Hachim nous a demandé quelque chose et que c'est la meilleure chose pour nous. Et on se bat et c'est pas facile et on comprend pas et des fois on se dit mais pourquoi on fait une chose pareille? La vérité, je pourrais faire autrement. Ouais, et ce serait plus facile pour moi et je me rendrais la vie plus facile. Mais c'est pas ce que Hachim il veut, on comprend pas, on connaît pas le tahrit, on connaît pas le but de la chose. Mais le problème il est que toute Nekouda chez quelqu'un, même aussi petite, elle est invisible. Maintenant toi, t'arrives à la contrôler. Ouais, toi, la télévision, tu la mets que pour regarder des cours, on va dire. C'est un exemple, hein, je ne prenais pas au pied de la lettre. Ouais, toi, tu vois, mais l'enfant, il a gardé... Ça peut être qu'un enfant, il va faire la même chose que toi. Mais peut-être qu'il y en a un dans la bande qui va garder le concept de la télé, mais sans juste les chiourim, il va remettre le câble. Puis il y en a un autre dans la bande, il va aller faire des films. Puis il y en a un autre dans la bande, et comme ça. C'est pour ça que Yaakov Avinu, un des... Ce que le Midrash, il explique. Une des raisons pourquoi il a demandé à Hachem que son nom ne soit pas lié à celui de Korar. Ouais, quand c'est écrit Korar, c'est écrit Korar, Ben Kehat, Ben Levi, ça s'arrête. Ça va pas jusqu'à Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a dit, Hachem, moi j'ai rien à voir avec cette Mida-là. Elle vient pas de moi. Ouais, mais elle vient de Levi, puisque ça, il est nommé dans le Passouk. C'est-à-dire que Levi, en lui, il avait un point, une saleté, que même lui, il s'en est pas rendu compte, où il a dit, c'est pas si grave, écoute, c'est pas la fin du monde. Elle a grossi jusqu'à qu'il est arrivé Korach, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Alors tu vas me dire, Korach, est-ce qu'il est responsable? Il est pas responsable. Il est responsable parce que tout le monde a le libre arbitre, tu peux faire tchouva, même si c'est beaucoup plus difficile. Mais ton père, il est responsable, ton arrière-grand-père, il est responsable, ton arrière-grand-père, il est responsable. Parce que ça vient de ça.
Et le contraire est vrai, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce que ça a à voir maintenant avec la sortie d'Égypte? C'est des centaines d'années avant. Mais d'où on a eu le mérite de Moshe, etc. De Avraham Avinu. Avraham Avinu, il ne savait pas à l'époque qu'il faisait ces choses-là, il se sacrifiait, il ne savait pas qu'encore aujourd'hui, à Rosh Hashanah, c'est grâce à lui qu'on va tenir l'année. Il ne savait pas une chose pareille. Lui, il a juste dit, « Be'emouna shlema, je me réveille le matin, je vais amener mon fils, je vais le sacrifier, ce que Hashem m'a demandé. » Lui, c'est comme ça qu'il a vécu. Mais en vérité, Hashem, il utilise, et c'est pas seulement Hashem, cet acte-là, encore aujourd'hui, il nous sert. Donc encore aujourd'hui, il a un impact. Donc quand on est devant une action et qu'elle est véritablement mauvaise, on le sait qu'elle est mauvaise, on se dit, bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, on essaie de tout justifier. Oh, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, écoute, tout le monde le fait. C'est ce genre d'idée-là, ouais. C'est vrai, et tu le fais, etc. Comme si rien n'était, comme si c'est jamais arrivé. Mais toi, tu vois pas la conséquence à long terme. Tu vois pas la conséquence, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Tu vois pas ça. Tu le vois pas. Et tu seras peut-être même plus là pour le voir. Enfin, tu le verras d'en haut, quoi. Mais tu seras même plus là pour le voir. C'est pour ça que c'est important. Hein. C'est important. C'est pour ça qu'on s'en renforce dans ça. C'est important de comprendre qu'on peut pas faire les choses parce qu'on comprend, parce qu'on comprend rien. Si tu commences à croire que tu comprends rien, tu sais pas pourquoi on fait les choses. Même la Nida, même des choses qui ont l'air évidentes, tu dis ok, la Nida c'est pas grave. Écoute, je fais rien avec ma femme, mais je lui passe l'assiette. Parce que j'ai rien fait de mal, je lui passe l'assiette. Mais si là, Lara, elle a prévu que tu dois pas passer l'assiette, c'est parce que ça a un impact. Même si toi tu le vois pas, même si t'as ça a l'air de rien, même si toute ta vie t'as vu ton père lui passer l'assiette et que ça a rien fait. Ouais? Mais si c'est écrit, c'est que ça a un impact négatif quelque part. Toi, tu ne vois pas l'impact, mais il est là, obligé qu'il soit là. Et inversement, si tu fais une mitzvah, si la Torah te demande de faire une mitzvah, c'est que ça a un impact positif quelque part. Tu ne le vois pas, tu ne sais pas, ça t'a jamais... Combien on a vu des histoires de petits-enfants qui ont été sauvés parce que le grand-père il a fait un truc pour l'autre grand-père. Dans la Shoah, on a vu des histoires comme ça, dans plein d'endroits. Que c'est rempli d'histoires dans tous les livres de la Shoah. Le petit-fils il a été sauvé par le petit-fils de celui qui a été sauvé à la Shoah, et le boomerang il revient. C'est-à-dire que Béhémeth, on ne sait pas c'est quoi le Tahlit, mais ce qu'on sait c'est que le Tahlit il est décidé par Akadosh Baruch Hu, et qu'il y a un Tehelet, il y a un but, et ce but là il est au moment de l'union. Il est au moment de l'union. Qu'est-ce que c'est l'union? C'est nous-mêmes. Tout ce qui fait union entre ce monde-ci et le monde d'en haut, à chaque fois que tu fais une union, et c'est ce qu'on appelle une mitzvah. Ouais. Mitzvah, c'est le Rabbi Levi Tranishov, il explique que mitzvah, c'est même tzadik vavhe. Même tzadik, en adbash, c'est yudke. Ouais. En adbash, tu sais quoi adbash? C'est tu prends le aleph, c'est l'équivalent, c'est le taf. Tu sais, c'est comme si tu piles l'alphabet en deux. Ouais. Alors, en adbash, c'est yudke, et vavhe, ça reste vavhe. Donc, dans mitzvah, il y a le nom d'Hachem, yudke, vavhe. Pourquoi, dit le Rabbi Levi Yitzhak? Il dit, pourquoi il y en a qui est caché et un qui n'est pas caché? Il dit, parce que dans une mitzvah, il y a l'effet que tu vois, et il y a l'effet que tu ne vois pas. Il y a l'effet que tu ne vois pas, que tu ne verras jamais. Et que tu ne sauras qu'à 120 ans qu'il y a eu un effet, et même peut-être ça va te prendre des milliers d'années avant d'arriver à l'effet. Mais il y a un effet. Il n'y a rien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais il n'y a rien qu'on fait qui n'a pas d'effet. Sache-le, la Gemara, elle le dit à tel point que ça fait peur, ça donne des frissons. La Gemara, elle dit une chose incroyable. Elle dit que le... Comment il s'appelle? Nebuchadnezzar, lorsqu'il a détruit le temple, il a amené une prostituée au Kodesh HaKodashim. Il a fait l'acte avec elle. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il croit qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout. Comment il n'a rien fait du tout? Il a pris une prostituée dans l'endroit où le Kohen Gadol y rentrait seulement une fois par an, et s'il avait une mauvaise pensée, le gars il mourait. Le Kohen Gadol, le tzadik il mourait. Et toi tu me dis que lui, il a pris une prostituée à cet endroit-là et il n'a rien fait? Il dit, lui, il a fait quelque chose dans ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est l'âme des chikras, ça vaut rien. Le Kohen Gadol, lorsqu'il a une pensée, il fait dans le monde d'en haut. Il ne fait pas dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'il meurt tout de suite. C'est que la conséquence, elle est directe, mais elle est directe en haut. Quand un juif, il a une pensée, c'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Maseret Brachot qu'une bonne pensée, elle est comptée comme si elle avait été réalisée. Comment c'est possible? Parce que tu as déjà réalisé des choses en haut. Tu ne vois pas, toi. Mais ta pensée, elle a déjà. Tu as pensé juste, écoute, il faut que j'aille au Shio. Tu n'es pas venu. Tu as juste dit, tu sais quoi, j'aimerais bien aller au Shio.
dans ta tête. Bon, c'est mieux si tu viens. Mais si tu n'es pas venu, parce que ça nous encourage. Mais si tu disons que tu n'es pas venu, mais au moins, ça va être nirchal, comme si tu es. Bon, vraiment, c'est-à-dire que la Gemara explique que tu es honnête, c'est-à-dire que tu avais vraiment un truc qui t'a empêché de venir, tu ne pouvais pas venir. Mais tu as voulu venir, c'est comme si tu étais venu. C'est une chose incroyable. Comment c'est possible? J'ai rien fait. J'ai pas pris ma voiture, je suis pas venu, j'ai même pas essayé. C'est-à-dire, je voulais. Il est arrivé qu'on avait besoin de moi et personne pouvait, on pouvait pas se passer de moi. Je pouvais pas venir. Tof. La Gemara a dit, c'est nirsha, comme ça t'est compté comme si tu l'avais fait. Comment une chose pareille possible? Parce que nous, on voit pas, on voit que la surface des choses. On voit ce monde-ci, mais ce monde-ci, encore une fois, c'est Olam des Shikras, c'est des rayons du soleil. Quand quelqu'un il fait quelque chose, il change la nature du soleil. Il change pas les rayons. Les rayons, c'est tu peux les sentir des fois, tu peux, s'il fait froid et c'est l'hiver, il y a des nuages, tu les vois pas. Mais ils sont toujours là. C'est juste toi, tu les vois pas. La même chose. Il y a des moments dans ta vie où il fait froid, où Hachem il est plus caché. Et bon, tu vois pas l'effet de tes mitzvot. Tu dis pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'étudie, pourquoi je fais ça. Finalement, je vois pas que ça bouge. Va dai que ça bouge. Non seulement que ça bouge, mais ça fait bouger tout le monde entier. Et là, on continue. Nimtsa, she'akeruv hu sof et tachlit. Ce rapprochement, cette union, donc qui est représentée aussi par la mitzvah, cette union entre le sof, entre la fin et le tachlit, et la finalité, ovimkom akeruv, l'endroit où le lien se fait dans le papier, Sham Haniar Vaedio Hem Meroavim Bifrina Techelet. C'est ça qu'on appelle le Techelet. Kichen Adava, Shatachli Shiusof Amaase, Ube Marshava Trila, Vekarov le Marshava Kaniskar Leel. Parce que c'est le Tachlit qui. La finalité qui justifie la première pensée. Nir'e. La Aniyut Da'ati Lefaresh. Il dit, parce que Rabbi Nathan est très gentil, c'est très rare qu'il fait ça. Mais il sent que c'est très compliqué ce qu'on est en train de dire. Donc il dit, écoute, je vais t'expliquer à mon avis ce que ça veut dire. Il entre parenthèses, écrit Nire, il me semble, la niot dati le faresh, que moi j'ai envie de expliquer comme ça, qui sauf à maase ou berinat shacharut, que la fin de l'action, ça correspond au noir. Donc ce que tu as fait, c'est le noir. Au trilat amarshava, et la pensée que tu as eu de faire, ou berinat lavan, ça c'est le blanc. A elion kayadoua, pas n'importe quel lavan. Le lavan à Elion. Mazé le lavan à Elion. Le lavan à Elion, c'est comme il explique ici au nom du Hatzraïm, le Rav Kremer. Il explique que le début de lavan à Elion, c'est tout ce qui est blancheur. Ça réfère à l'origine de la création, qui est les mondes supérieurs. Ouais, les premières choses qui ont été créées, c'est les anges et tout ce qui s'ensuit, c'est des mondes supérieurs. Donc le lavan à Elion, c'est les mondes supérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu savais que tu devais faire quand toi tu étais en haut? Ça, c'est le lavan. Vous avez compris? C'est incroyable ce qu'il est en train de dire ici, Rabbi Nathan. Si vous comprenez ce qu'il dit, c'est un truc incroyable. Il est en train de dire qu'avant de venir dans ce monde, la page, elle était blanche. Pourquoi? Parce que rien n'était écrit, tu n'es pas encore venu dans ce monde. Tu n'as rien écrit encore. Ton histoire, elle n'a pas encore été écrite. Mais la page blanche, elle permet déjà la pensée de dire, qu'est-ce que je vais écrire sur cette page? Qu'est-ce que je suis censé écrire sur cette page? Les écrivains, hein, à l'époque, mais juste pour comprendre, il y a ce qu'on appelle la hantise de la page blanche. Parce que quand tu es dans une page blanche, tu es comme dans l'obligation d'écrire. Quand tu as commencé à écrire, on sait, tu as déjà tout sur quoi travailler, tu continues, ouais. Mais celui qui a une page blanche, il ne sait pas où commencer, il ne sait pas où. Qu'est-ce qu'il doit faire? La page blanche, c'est quand tu es en haut. Quand tu es en haut, ta vie, c'est une page blanche. Il n'y a rien encore. Mais Hachem, il a la bonté de t'expliquer qu'est-ce que tu dois écrire sur cette page. Et ça, c'est le tachlit. Finalement, ce qu'il est en train d'expliquer Rabbi Nathan, c'est que nous, on croyait que le tachlit, c'est incroyable ce qu'il dit en vérité, vraiment. C'est que le tachlit, c'est l'olam haba, c'est le monde à venir. Rabbi Nathan, il te dit non. Le tachlit, c'est ici. C'est ça le but. Le but, c'est ici. C'est ce que tu fais ici. Le olam haba, c'est juste que tu vas profiter de ce que tu as fait ici. Mais le vrai tachlit, c'est maintenant. C'est incroyable ce que dit Rabbi Nathan. L'olam Abba, c'est ici. Oui, chez Ouba. Chez Ouba, Khazak. Chez Ouba, qui vient. L'olam qui vient. Ouba. Ça veut dire qu'en vérité, nous, on croyait que le soleil, il est en haut. Que c'est Hachem. Et que lui, il rayonne sur ce monde-ci. Rabbi Nathan, il dit non, c'est pas comme ça. C'est ton soleil, il est en bas. C'est toi. Et ce que tu vas. Et le rayonnement, c'est le ton olam Abba. Il a à four. Il a transformé le truc.
C'est pour te dire que chez Sof, Amaasé, chez Otachlit, il te le dit dans les mots. Sof Amaasé, l'action, c'est lui le Tachlit, c'est lui la finalité. Chez Oua Marshava, Trila avec Arob, la Marshava, ou Bechina, Techelet, chez Ochibur, Shachor, Velava. Et en vérité, c'est le lien entre les deux. C'est-à-dire que quand tu fais une action dans ce monde, obligatoirement, il y a une action dans l'autre monde. Tu la vois pas, tu sais pas, ça c'est pas mon problème, mais elle existe. Mais c'est Dafka, on va faire Chet et on va s'arrêter après ça. Mais c'est Dafka bat kol chez Yatsa. Et c'est ça précisément lorsqu'une voix céleste elle sort, qui est Bechinat bat kol à l'époque après les Nevi'im, la façon dont ils recevaient le message d'Hachem, c'était à travers une bat kol. C'est quoi une bat kol? C'est une voix céleste qui sortait. Qui est Bechinat bat kol, à Tachlit chez kol advarim, haïnou chez mea per kol davar merosho les sofo. Ça veut dire qu'en vérité, le concept de la voix céleste, c'est qu'il y a une inversion des choses. Comment ça? C'est qui l'intelligent? C'est lui qui voit l'avenir. C'est qui est la fin du but. C'est-à-dire qu'en vérité, il va un peu plus loin, Rabbi Natan. Il dit, c'est vrai que le tachlit, c'est ce monde-ci. Et le tachlit, c'est ton action. Mais ce qui ne peut diriger ton action, ce n'est que le Olam Haba. C'est-à-dire que ta motivation, ton envie, tes sentiments, tout ce que je vous dis maintenant, définir ton tachlit, c'est le Olam Haba. C'est que tu sais qu'il y a un monde à venir, tu sais qu'il y a Hachem, tu sais qu'il y a des tzadikim, tu sais que c'est vrai, tu sais que la Torah elle est vraie, tu sais que c'est pas pour ce monde-ci, tu sais que ce monde c'est l'organe des Shikra. Quand tu sais tout ça, alors maintenant tu as créé l'environnement pour ce que tu fais maintenant, c'est ton tachlit. Qui bat code, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui c'est extrêmement important. Ce qu'on est en train de rappeler aujourd'hui, c'est que il y a un Olam Haba, qu'il y a un monde futur, que ce monde futur c'est le profit de ce que Hachem il est capable de nous donner. Et tout ça, ça ne s'acquiert que dans ce monde-ci. Qui bat kol ruma sheshumaim, que she echad motzi kol bayar, ou bemakom acher, as shomea keilu acher gam ken motzi kol ze. Quand quelqu'un il sort une voix, il émet un son, que ce soit dans une forêt ou n'importe quoi, il y a ce qu'on appelle l'écho. Il dira, ben nous, c'est quoi l'écho? L'écho, c'est que toi-même, tu entends ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le machal qu'il essaie de donner ici, Rabbeinu? Rabbeinu l'a rien dit, hein? Quand un homme, il parle, il est censé entendre ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est ça la définition selon l'Arizal de la Tfila. La Tfila, on est censé pas parler à voix haute, mais à minimum d'entendre ce qu'on dit. Tu dis, mais je comprends pas, comment tu peux faire pour entendre ce que je dis si je dis rien? Ouais? Il y a un concept qui s'appelle une bat kol, c'est-à-dire que ce que tu dis, même si tu ne le prononces pas à voix haute, tu es capable de l'entendre. Même des fois, tu dis rien, juste la pensée, tu l'entends. Une forme d'entente. Alors, il dit la bat kol, c'est le même concept. Quand lorsqu'une bat kol, elle sort, celui qui dit la bat kol, il l'entend aussi. Lui-même, il entend le dibour. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Nimtza. Ainsi. J'ai un bat kol mais à père est à dibour mais rochot les sofo. Lorsque la voix, elle inverse la parole du début à la fin. Ou mais karef sofo les atzmo. Il rapproche la fin de lui. Les machal. Il va donner un exemple. Un exemple c'est quoi? Que chez Adam motzi dibour shel barour. Lorsque maintenant tu fais une fila. Et mais normalement quand tu dis barour bemet, tu dois te concentrer dans chaque lettre. C'est très difficile. On essaye des fois quand on a beaucoup de kohot comme ça. Rabbeinu, il dit que chaque lettre doit avoir un retentissement comme ça. Quand tu dis Baour, c'est Baour. Ça veut dire Bémet, chaque lettre, elle a une puissance incroyable. Alors quoi? Alors il dit que quand un homme, il va dire Baour, Bevadai Otsea Aotbet, il va d'abord dire la Aotbet, Barishona. Venitrachek me Adam, et cette Aotbet, elle va s'éloigner de lui. Ensuite, il va dire la Aotresh, qui est plus proche de lui. Ensuite, il va dire la Aotraf, qui est plus proche de lui. Donc, qu'est-ce qui est le plus proche de l'homme? La fin. La fin, pas le début. C'est la fin qui est le plus proche. Quand tu écris une lettre, bon, là c'est difficile parce que c'est sur un papier en deux dimensions. Mais si tu pointes ou à quelque chose, là, ton bout de crayon, il va être finalement plus loin. Mais c'est le contraire, il dit ici. Barour, ce qui est le plus proche de toi, c'est la fin. Donc, quand c'est la fin, qu'est-ce que ça change pour nous que ce soit la fin? Si on a dit que la fin, c'est le tachlit, plus tu avances dans ta vie et plus tu agis selon ce que tu es censé agir, plus tu te rapproches du tachlit, de la finalité.
Donc du Olam Abba. Hazak. Ve'abat kol lokachat zo ha'teva baruch, ou me'apechet ota me'rocha le'sofa. Et donc c'est ça qui fait que maintenant, ça se transforme, tu as un chaf, un resh et un bet, à la place de, enfin un resh, un vav, un bet, à la place, ou me'apechet ha bet, shetiye karob la'adam yoter me'a. Et maintenant le bête il va être plus proche vers ar mehar nimtsa shar shi sof et tachlit shel teva shata roka mitkhila me'abat kol bet tachlit arikhuk akhshav ikrova bet tachlit akiruv ki khen anu shomim shebat kol motzi tevat baruch batkhila bet vachar resh vachar kar nimtsa shachaf shehi atachlit shehaya mitkhila bet tachlit arikhuk me'abat kol. Il dit maintenant, le chaf, normalement, c'était la fin du mot. Mais maintenant que abat kol est sorti, c'est devenu le début. Et alors quoi? Qu'est-ce que ça change maintenant? Alors maintenant, on va changer, on va finir sur ça, pour comprendre une chose importante. C'est que c'est vrai qu'un homme, il ne sait pas pourquoi il est venu dans ce monde. C'est vrai qu'un homme, il n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il a vraiment à faire. Et c'est vrai qu'un homme, il ne sait pas par où commencer. Et que la page, elle est blanche au début. Et des fois, il me fait même des gribouillis que c'est difficile de réécrire dessus. Il fait des fautes, et il se trompe, et ça a l'air n'importe quoi, et il ne sait même plus où écrire. Il n'y a plus de place dans la page. Ouais, ça nous arrive à tous. Alors un homme, il se désespère. Il dit, attends, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Et j'arrête pas de faire des erreurs, et j'essaie avec elle, ça n'a pas marché. J'essaie avec lui, et mes enfants, ça ne marche pas. Et mon travail, ça va. J'essaie ce business, ça n'a pas marché. Et celui-là, ça n'a pas marché. Et le gars, il écrit et ça se rature automatiquement. Il a l'air de piétiner. L'exemple que j'adore, c'est l'exemple des shidouchim. Un shidour, il passe, ça marche pas. Deux shidour, il passe, ça marche pas. Trois shidour, il passe, ça marche pas. Quatre shidour, il passe, ça marche pas. Le gars, il est désespéré. Il commence à avoir 24, 25, 26 ans. Dans les milieux religieux, chez les chilonis, c'est plus 30, 31, 32, 33 ans. Ouais, mais bon, on va dire, c'est dans les exemples normaux. Il avance dans son shidour, et un autre shidour, et un autre shidour. Il dit, attends, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Lui, il réalise pas que plus il en fait, plus il se rapproche de sa kala. Lui, il voit pas ça. Il voit pas que plus il est en train d'essayer, plus il se rapproche de sa kala. Et une fois qu'il va voir sa kala, c'est comme s'il avait jamais fait de shidourim de sa vie. C'est comme s'il était marié, c'est comme un enfant. Ouais, on n'arrive pas à avoir d'enfant, Quand t'as ton enfant, c'est comme si tu avais toujours eu un enfant. C'est-à-dire, c'est fini, t'as oublié les douleurs de comment c'était difficile d'avoir un enfant. C'est pour ceux qui ont eu des difficultés à en avoir. Pourquoi? En vérité, c'est la même chose avec les jours de ta vie. Les jours, ils passent, t'as l'impression de faire n'importe quoi. Mais plus les jours, ils passent, plus tu te rapproches du tachlit. Tu te rapproches de la finalité, tu te rapproches du Olam Haba. Que tu le veuilles ou que tu le veux pas, tu t'en rapproches. Que tu le veuilles ou que tu t'en veux pas, tu t'en rapproches. Donc il dit ici, la bat kol qui sort, elle transforme. La Gemara dit il y a une batkol qui sort tous les jours pour dire aux juifs, venez, rapprochez-vous d'Hachem. Le Zohar il rapporte comme ça. La Gemara aussi, une batkol qui sort tous les jours pour dire, viens, rapproche-toi de moi. Pourquoi? Ça veut dire c'est la même chose. Ça veut dire même si tu n'as pas envie, on se rapproche du Mashiach, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. On se rapproche de la finalité, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ah mais c'est plus difficile, ah tu as l'impression d'être loin du début. Mais heureusement que tu es loin du début. Plus tu es loin du début, ça veut dire plus tu te rapproches de la fin. Il dit la même chose, que ce soit dans un shidour, dans n'importe quelle épreuve de la vie, il y a un moment, elle va s'arrêter l'épreuve. Et l'impression, et c'est bizarre, que au lieu de voir que l'épreuve, plus tu avances, plus elle va s'arrêter, plus elle a des chances de s'arrêter rapidement, donc être heureux, tu es de plus en plus malheureux, parce que tu vois toi depuis le début comment ça s'est passé, et tu es de plus en plus désespéré, on a l'impression que ça ne va jamais finir. Vous voyez comment les cerveaux travaillent, c'est incroyable, parce que lui, il te fait voir ce qui s'est passé. Et un chidouch après l'autre, un chidouch, tu en as marre, tu ne veux même plus en faire. Tu dis ça, j'en peux plus. Alors qu'en vérité, la façon de voir les choses, dit Rabbeinu, c'est que tu vois que tu te rapproches de plus en plus du tachlit. Tu vas de plus en plus arriver à ta Yeshua. Donc avance, fais-en de plus en plus, parce qu'il y a un moment, tu vas trouver la bonne. Et ça, c'est la façon de voir les choses selon Rabbeinu. C'est qu'au contraire, au lieu de te désespérer, d'avoir l'impression que tu as raté ta vie, d'avoir de plus en plus d'échecs, réalise que plus tu en fais des échecs, plus ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça va sortir bien. Plus tu te rapproches de l'Yeshua. Et c'est un peu le hénian du fait qu'on a dit que dans ce monde-ci, c'est ça le tachlit. Ça veut dire que puisque ici, tu fais les choses qui te rapprochent de ton Olam Haba, alors dans ce monde-ci, c'est là où tu as un impact sur la finalité. Dans le Olam Haba, c'est connu. Tu ne peux plus rien faire, c'est fini. Peut-être tes enfants, ils feront pour toi, si tu es chanceux, dans le bien. Je ne parle pas dans le mal. Peut-être tes enfants, ils feront pour toi.
ils te rapprocheront d'Hachem, ils feront que tu leur as laissé des bonnes midot, où tu as fait des sacrifices pour eux, qu'ils ont vu, qu'ils sont inspirés de toi. Et eux, grâce à eux, tu monteras. Mais sauf quand tu finis ce monde-ci, les dossiers sont clos. Soit tu redescends, soit tu restes comme ça pour l'éternité. Alors, et de là on voit que c'est bémet comme ça, que c'est maintenant qu'il faut profiter, qu'il ne faut pas perdre son temps. Mais là, je vous ai sûrement raconté l'histoire, mais on va finir sur une petite histoire. L'histoire des pommes de terre, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des pommes de terre. C'est l'histoire d'un... Il y a un jeune à Shabbat qui me l'a raconté, ça me l'a rappelé, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. L'histoire des pommes de terre, c'est l'histoire d'un homme qui est très 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 pauvre, qui galère dans la vie, qui travaille comme un acharné, qui n'en peut plus, qui un jour décide de faire une bonne doute. Et il va à Hachem, voir Hachem, et pendant 6 heures il dit, Hachem, j'en peux plus, je t'en supplie, sors-moi de cette pauvreté, de cette vie de galère, j'en peux plus, je t'en supplie, j'en peux plus. Et sortir de ses hibou des doutes, il rencontre quelqu'un. Sûrement il y a eu un avis. En tout cas, il rencontre quelqu'un. Là, l'histoire ne le dit pas. Il rencontre quelqu'un, un vieil homme. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui dit, bon, je sais pas, il était bûcheron. C'est pas un grand métier, genre, à l'époque. Il lui dit, tu sais qu'il existe une île où tu ramasses des pierres précieuses par terre? Il dit, vraiment? Une île, ça existe comme ça? Une île que tu ramasses des pierres précieuses par terre? Et il dit, oui, tu la connais pas, mais tout le monde la connaît. Quoi, vraiment? Il dit, oui, il lui donne la carte, il dit, voilà, tu vas là, tu prends le bateau, tu arrives à tel endroit, tu vas là, tu vas tomber dessus. Il dit, vraiment, ok, wow. Peut-être il se moque de moi ou quoi, mais ça le travaille tellement, et le vieillard, il avait l'air sain, il avait l'air kadosh, il n'avait pas l'air de se moquer de lui. Le soir, il en parle à sa femme, il dit, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, je suis parti prier à Hachem aujourd'hui, Mina Shamaim, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il y a une plein de pierres précieuses à quelques jours de bateau d'ici. Quelques mois de bateau d'ici plutôt. Et il lui dit, vraiment, du coup, est-ce que tu crois que ça vaut la peine peut-être d'aller voir, écoute, ça vaut la peine peut-être? Alors il lui dit, oui, je crois que ça vaut la peine. Il a dit, la seule chose, c'est que le vieillard, il m'a dit, une fois que tu vas, tu as le visa pour une seule fois. Après ça, il te laisse plus rentrer. Il dit, ah bon? Bon, bah écoute, vas-y, prends plein de sacs. Lui, tu sais, elle prépare des sacs pendant une semaine, les sacs de pommes de terre, là, elle ramasse comme ça. Elle ramasse ses sacs de pommes de terre, elle lui dit, vas-y, prends au moins le maximum de sacs et ramène le maximum que tu peux. Alors, il va avec la bracha de sa femme, il est sûr que ça va bien marcher. Donc, quand tu as la bracha de ta femme, en général, ça marche bien. Toujours, ça marche bien. Même quand ça marche pas, c'est juste parce qu'on n'a pas vu le bon côté des choses. Mais alors, il part avec la bracha de sa femme. Et il arrive au bout de quelques mois, effectivement, dans l'île. Il montre le visa qu'il n'a jamais été, il n'est jamais venu. C'est comme Birthright, quand tu viens d'Israël, tu as le droit à une fois pour venir. Alors, là, tu viens, il lui montre qu'il n'est jamais venu, et ben au rabat, vas-y, effectivement, il arrive sur la plage, sur la plage, il voit par terre des milliers de diamants, de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs. Il est aux anges, il s'extasie, il rentre des diamants dans le truc, et vas-y, il ramasse. Le premier jour, il ramasse, il voit que les gens, ils passent, ils se moquent de lui. Deuxième jour, il ramasse, il voit que les gens, ils passent, ils se moquent de lui. Troisième jour, il se moque de lui. Alors à un moment, il en a marre, il dit, mais je comprends pas, il n'y a que moi qui ramasse ici. Et en plus, tout le monde se moque de moi. Alors un jour, il voit comme ça un jeune comme ça. Il lui dit, moi, pourquoi tout le monde se moque de moi ici? Il dit, mais parce que les diamants, il y en a partout. Ça vaut rien ici. Qu'est-ce que tu ramasses des diamants? C'est de la poussière ici. Viens, tu veux être riche ici. Va remplir ton sac de pommes de terre, tu vas devenir le plus riche de la ville. Des pommes de terre? Il dit, vraiment, c'est ça qui vaut de l'argent ici? Il dit, si, c'est ça qui vaut, il n'y a que des pommes de terre. Les diamants, tout le monde en train de ça, ça n'a aucune valeur. Il dit, ah, vraiment? Ok. Au début, il dit, bon, tu sais quoi, je vais quand même ramasser quelques diamants en plus. Au bout de quelques mois, un qui le moque, deux qui le moquent, trois qui le moquent. Je dis, ok, c'est bon, écoute, tu sais quoi, je vais aller moi aussi ramasser des pommes de terre. Alors il va dans un business, il commence à vendre des pommes de terre, acheter, vendre. Il commence à ramasser lui aussi des sacs de pommes de terre, sacs de pommes de terre. Au bout d'un moment, quelques mois sont suffis. Sa femme lui a dit, au bout de 6 mois, tu reviens. Moi, je ne peux pas rester plus que 6 mois. Elle a dit, ok, en plus, je ne saurais pas, peut-être que tu ne vas pas y revenir et tout ça, bon, tu reviens. Au bout de 6 mois, il a ramassé Baruch HaShem, il est multimilliardaire en pommes de terre. Il revient là, il reprend le bateau, il dit merci beaucoup, il signe qu'il ne va jamais plus revenir. Et il reprend le bateau, il revient chez lui. Il prend le bateau, les quelques mois, il est super content, il est riche, il est magnifique, il arrive. Il arrive avec tous les sacs remplis, lourds et tout ça, bon, ça a été lourd et tout ça, mais c'est pas grave, il est riche. Il arrive chez sa femme, elle le reçoit comme un roi, waouh, tout est en plein, c'est extraordinaire.
Et là, elle ouvre le premier sac, ça pue, ça pourrit en route, les pommes de terre. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Deuxième sac, des pommes de terre qui puent. Troisième sac, qu'est-ce que tu m'as ramené? Tu es devenu fou. Je t'ai laissé 6 mois partir, tu as le droit d'une seule fois d'y aller et t'as ramené des pommes de terre. Je sais pas ce qu'il m'a pris, ils ont tous dit que c'est ça qui valait quelque chose. Et là-bas, tu comprends pas, quand t'es là-bas, tu réfléchis plus, tu vois tout le monde qui se moque de toi, tu comprends pas qu'est-ce que ça qui a de la valeur, c'est vrai que tu retrouves tout par terre. Bah, au Hachem, il lui avait un sac, le premier sac qu'il avait rempli. Elle ouvre, elle trouve, bon, Hachem, des diamants pour vivre comme il faut. Elle dit, heureusement, bah, au Hachem, au moins tu as amené ça. Ça va nous permettre de vivre, d'acheter une maison, de devenir, de pas, au moins de sortir de notre pauvreté. Et lui, il est comme ça, il se console pas, quoi. Il pleure, il dit, comment j'ai fait une bêtise pareille. Il y avait des sacs et des sacs, j'aurais pu en ramasser, personne ne les voulait. Machal, il est très simple, vous l'avez tout compris, si vous n'êtes pas très bien compris le machal. Le machal est très simple, c'est ce monde-ci. On arrive ici, tout le monde se moque de celui qui étudie la Torah. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu vas aller étudier maintenant. Tu vas aller maintenant prier. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a du business, il y a des sorties, il y a des restaurants, il y a de la bouffe, il y a de la Chine à visiter, il y a la Thaïlande. T'as jamais été en Thaïlande, t'es fou. T'as jamais été en Inde, mais t'es fou. Et le gars, il est là, il se bat, mais je les écoute pas. Il se moque un jour, il se moque deux jours. Pour ceux qui sont chanceux, ils se laissent pas sortir du derrière. Ceux qui sont pas chanceux, ils disent, bon, ok, tu sais quoi, ils ont peut-être raison, on va aller voir ce que ça vaut les pommes de terre. Et ils passent leur vie à faire des pommes de terre. Quand ils arrivent en Lamaba, on lui dit, combien de diamants tu as apporté? J'ai des pommes de terre avec moi. Il dit, mais les pommes de terre ici, ça vaut rien. Ici, ce qui vaut, c'est le diamant, les diamants. C'est vrai que ça vaut rien en bas, c'est Olam des Shikra, mais c'est ça qui vaut. Aujourd'hui, cette heure de Torah, pour l'Olam Haba, pour des milliards, vous voudrez pas la vendre. Pour des milliards, cette heure-là qu'on vient de passer, pour des milliards, vous voulez pas la vendre. On vous dit, ça y est, je te donne ce que tu veux. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec tes milliards? J'en veux pas. J'ai une heure de Torah, c'est pour l'éternité. J'ai à l'écouter Moran que je pourrais étudier, réétudier, réétudier, réétudier. Que ce qu'on a étudié, c'est rien. C'est pas la vérité. Enfin, en tant que sens que c'est notre compréhension. Mais ça chaque lettre, elle a un secret. Chaque lettre qu'on a lue, c'est un secret qui peut durer des décennies d'études. Cette heure-là, elle a plus de prix. Elle n'a pas de prix, cette heure qu'on vient de passer. Et c'est comme ça pour chaque chose que vous faites dans la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrive, voilà, bah tous, hein, moi je m'inclus, on va arriver avec les quelques diamants qu'on a ramassés par-ci, par-là. Mais on va arriver avec beaucoup de pommes de terre, tous, c'est la vérité. On passe la majorité de notre temps, par ceux qui ont compris, comme Rav Kanievski ou d'autres, est-ce que ça vaut vraiment? Mais la plupart d'entre nous, le Olam, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, mais tu perds ton temps, mais c'est n'importe quoi, mais tu es arriéré, mais que tu étudies une Torah qui n'est même pas actuelle. Olam de Shikra. Olam de Shikra. Ce qui vaut ici, c'est les pommes de terre, c'est la vérité. Sans patates. Ça vaut sans patates. Mais ce qui vaut là-bas, c'est les diamants. Si, il faut s'en rappeler tous les jours. Amen, Kenirat. Amen. Amen.